Donc tu me disais un jour de plus, ça fait 15%. Ça fait 15% de plus pour ceux qui ont fait une semaine. Voilà. 15 heures avec 25 personnes. Ma foi, ça s'est très bien passé avec des gens super sympas. Il y a eu une bonne communication. Je souhaite que tout le monde ait les mêmes effets que je ressens aujourd'hui. Alors merci aux organisateurs en plus, c'était super sympa. Super. En bonne forme. Super, merci Gérard. Très bien, c'est mon 8e jeûne, donc ça s'est très bien passé. Tout le monde était sympa, un groupe très, très sympa et Eric parfait. Ouais. Hein? Ok. Voilà, et Sophie aussi. Merci Ginette. Une expérience inoubliable, très riche en apprentissage, en enseignement. Transformatrice. Nouvelle personne. D'accord. Avec une vision d'abondance et même l'incarnation de l'abondance. Parfait, tu me fais un beau sourire, voilà, parfait. Fatiguée, expérience très intéressante, qui lave aussi bien le corps que le mental, et qui dynamise tout pour le futur. Alors, le jeûne, pour moi, c'était difficile, je pense, parce que j'ai perdu beaucoup de kilos et je ne devais pas être bien préparé. Et une telle ambiance, une belle énergie dans toutes les activités à côté qui vraiment m'a cité à m'accrocher, à continuer pour vivre l'expérience jusqu'au bout. C'était vraiment très chouette et beaucoup d'amour circulait, c'était formidable. Super. Beaucoup de choses à la fois dans mon alimentation et des choses dans ma vie. On m'a donné des jalons pour organiser ma vie, pour me donner des objectifs et qu'évidemment que je vais faire fructifier. Merci Patrice. Une belle expérience que j'ai pu faire. Parce que jamais je ne vais pas manger. C'est moi, je suis arrivée à faire 7 jours sans difficulté, sans plus de faiblesse, un peu de. Ça m'a permis de taper mon taux de diabète. Ma tension elle a baissé très bonne. Mon nez ne coule plus. Super. Merveilleux. Permet l'ouverture du cœur. La bonne santé. Très positif. Parce que mon cerveau s'est aussi senti bien, j'ai senti que c'était bon pour mon corps. Et j'ai eu des réponses à des questions intérieures. C'est vraiment super. C'est un stage très complet. On parle de nourriture, on parle du jeûne, on parle de spiritualité. En fait, on parle de tout ce qui est la vie et de tout ce qui nous touche. Donc, un grand merci à tout le monde. Parfait. Bravo sur le jeûne. Vide, parce que le corps se vide. Je dirais plein, si on fait le plein d'amour, et je dirais lâcher prise, parce qu'on lâche prise aussi un jeûne de notre préoccupation quotidienne. Très bien, mais je suis content de manger. Bon, je m'attendais à un poulet frites, mais bon, avec trois mots. Content d'avoir fini. Je sens qu'elle va être vite reprise l'alimentation. Trois mots sur le jeu. Équilibre, vitalité, force, équilibre alimentaire. Je savais que tu dirais plus que trois mots. Une grande découverte. Hein, j'avais des réticences, donc voilà, je suis très contente. D'accord. Renaissance. Une nouvelle vie, un grand bonheur. Super. Bon appétit. Merci. J'ai passé une super belle semaine. On a eu des réponses, pas mal de réponses à ce qu'on se pose. J'ai trouvé ça super. Très bien organisé. Il y en a plusieurs fois. Ça a été plus facile que je pensais. Au niveau de la fin. Pratiquement pas taquiné. T'es heureux alors? Ouais, je suis bien. Super. Content de moi surtout. Ouais. Super. Merci. Avant, je n'aurais jamais cru que ce soit aussi dur. Ouais. J'ai trouvé ça, mais hyper dur. Mais bon, c'est vrai que je suis venue avec pas la frite non plus. Donc, évidemment. Alors, je suis super contente d'avoir fait cette expérience parce qu'au moins, je sais qu'on peut ne pas manger et vivre.
Ça, c'est ouais. Super. Eh bien, j'ai deux rides en moins, là, sur les joues. Je suis contente. Voilà. Fais-moi un beau sourire. Merci. Merci, Irène. Ça s'est passé extraordinairement bien. Tu es très photogénique. C'est vrai. Ouais. Et je suis même étonnée de ne pas avoir eu faim jusqu'à ce matin à conseiller, en abuser. Tu t'es sentie bien pendant ce jeu ? J'ai eu aucune douleur. Le sommeil, forcément, un petit peu plus réduit, mais on est en forme quand même. Trois mots ? Bien-être, rééquilibrage, très belle rencontre. Voilà. Merci. Merci, merci à toi, Christine. Ah, ben maintenant, après le potage, bien, très bien. T'as un jus de légumes. Ça rentre dans tout le corps. C'est bien parce qu'il y a plein d'activités, il y avait des rencontres intéressantes avec le groupe, une manière de vivre qu'a indiqué Eric tout le temps, qui va rester, je pense, tout le temps aussi, une manière de se nourrir autrement. Je trouvais que c'était dur en tête, j'étais un musée, une haleine de putois. C'est un peu comme une épreuve, l'épreuve du feu. L'épreuve durant le potage, c'est déjà... Ben oui. Et puis surtout, c'est des pertes de poids. Enfin, moi, c'est ce que je souhaitais aussi. Poids vraiment impeccable. Trois mots. Réussite, ouverture, puis surtout l'avenir. Ça m'ouvre des portes. Super. Ouais. Merci, Richard. De rien. Bien. Après ce jeu de légumes. Parfait. C'était succulent. Génial. Alors, pendant ce jeu, relativement bien, fatiguée, corps un peu épuisé quand même. C'est, j'avoue que ça travaille, ça vit. Voilà. J'étais venue chercher quelque chose pour lâcher, ben c'est, je pense que j'en ai laissé. Je vais définir mon jeûne en trois mots. Lâcher prise, nettoyage, tête aérée. Super. Merci Françoise. Avec plaisir. Si j'avais su, je ne serais pas venue. C'était mercredi. Oui. Et je reviendrai. C'est samedi. Super. Comment tu t'es sentie quand même ? On va faire plus simple. Donne-moi trois mots pour définir ton jeûne. Ou quatre, si tu veux. Expérience. Relationnelle. Richesse. Source de connaissances. Super. Merci Nelly. Bien Sophie. Notre magnifique et rayonnante doyenne. Je me suis sentie bien. Bien, une bonne expérience à vivre et je me connais mieux. Et j'ai envie de me connaître mieux encore. C'est vraiment une semaine magnifique pour moi. Renaissance, source de joie, chemin à continuer. Merci Monique. Très bien ce matin. Magnifique, de la vitalité constante. Et puis on se retrouve encore mieux à la fin du jeûne. Tellement mieux que je suis étonné d'être aussi bien à ne boire que de l'eau. Ça ne peut pas durer, mais... C'est magnifique, c'est une expérience unique. Voilà ce que j'ai à dire. Et si tu devais décrire ton jeûne ? Renouveau, apaisement et plus de confiance en soi. Superbe. Merci Christian. Très très bien. Il est mon troisième jour. C'était normal, un petit peu de faiblesse, mais tout le monde dans l'ensemble. C'était très bien. Les gens sont tous gentils. On est très bien accueillis. Et je reviendrai. Voilà, ça m'a fait beaucoup de c'est du bonheur, je me sens bien dans mon corps, enfin, je suis zen, je suis super. Très bien, je suis heureuse, je suis tout bien. Merci Nadine. Le jeûne se passe bien, je trouve que la mise en contact d'Eric du début a été superbe. Ça a permis de tisser vraiment des liens avec tout le monde. L'ambiance, il y a de la gentillesse, on voit de l'amour partout. Et au niveau jeune, il n'y a pas de problème, les ateliers vont bien. À part que je ne suis pas revenue à la méditation parce que je me suis surprise à ronfler. C'est classique. C'est une autre vie. De savoir aussi que je pouvais prendre de l'amour des gens. Chose magnifique. Que je ne faisais pas. Parfait. Fais-moi un magnifique sourire. Phrase. Mon jeûne au top. Je pensais que j'allais vraiment pas y arriver. Septième jour, je suis comme mon premier jour. Aucun malaise, une forme, une super vitalité. Je suis venue pour essayer de sortir d'une pathologie et je pense continuer peut-être 25 jours, voire 46. Donc, vraiment, je suis très étonnée parce que je pensais pas y arriver. Mets-toi un peu au soleil. Vitalité.
espoir, et c'est vraiment à refaire. Super. J'ai beaucoup, et j'ai trouvé quand même des réponses, avec un groupe super sympa, et merci. Super. Qu'est-ce que j'en ai pensé, ouais. C'est ça? Ouais. Un peu difficile, mais une bonne vitalité, un bon ressourcement, un développement personnel super. Donc, tout va bien. Je suis en pleine forme. Super. Trois mots. Et ton sentiment? Le jeûne en trois mots. Sensibilité, amour, sérénité. Magnifique. Merci Jocelyne.